Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour, bon lundi, bonne semaine sur Métropole. Un plaisir de vous retrouver encore ce matin pour la présentation de la rubrique Le Point. Métropole continue avec sa série de rencontres avec les candidats à la présidence. Vous le savez, on est en pleine campagne électorale vers la présidence du 25 octobre 2015. Vous avez un choix à faire et Métropole essaie quand même de vous aider dans ce choix en vous permettant d'écouter les candidats, de savoir ce qu'ils ont à proposer justement pour ces élections le 25 octobre. Ce matin avec nous, le candidat endossé par le secteur protestant, je parle du candidat Jean Chavanjeune. Bonjour, pasteur. Bonjour, Alain. Bonjour à toutes auditeurs et tous les auditrices de Radio-Télé Métropole. Pasteur Chavanjeune qui est avec nous matin, nous rappelez-nous, et dans 9 candidats que secteur protestant, d'Akadi, gagné, qui sorti la dernière, tu es gagné et ont initiative pour que tu gagné un candidat que tu es endossé. Tentative qui devine. D'abord débouché sous choix Jean-Clarence Sonnois, mais qui ensuite, d'après Alguien, ont Rochita qui fait avec plusieurs chefs de mission, qui rediscutaient sur le sujet A et qui sortit avec Jean Chavanjeune comme candidat que le secteur protestant endossait. Jodia ou avec nous, par rapport avec bris que ça t'est fait dans la presse, et Guilemoun qui estimait que c'est quand même un scandale pour le secteur protestant. Je veux dire, comment vivre ça? Comment vivre choix comme candidat secteur protestant après tout ça, ça t'est chargé derrière comme bris dans la société? Bon, c'est tout un processus. Et si on ne comprend pas le processus-là, donc c'est difficile pour comprendre ce qui est arrivé. Et le processus a commencé depuis dans l'année 2013. Donc à Torbeck, côté nous avons eu une grosse assise de 3 jours avec plusieurs personnalités du secteur protestant, des organisations qui dominaient le secteur protestant, des missions, des chefs de mission, des intellectuels, des auteurs, des écrivains qui ont écrit, etc. Parce que nous avons fait assez ça dans le cadre de la préparation et ça nous relève la célébration du bicentenaire du protestantisme en Haïti. Donc, nous étions environ 160. Et l'autre bossa au CAI, à Torbeck. Et nous avons dit gagner comme objectif pour nous être capables et joindre nos moyens pour nous faire une célébration unitaire de telle sorte que ce n'est pas chaque l'église, chaque mission qui a fait une célébration par eux, mais pour nous faire une cérémonie ou une célébration en portée historique, nationale et internationale. Mm-hmm. Et c'est dans le cadre de ça, dans la discussion, eh bien, gagner. Il a dit des congressistes qui font valoir que nous pas capables de quitter la politique là à côté. Pendant que nous avons fait 200 ans, donc nous avons refusé de participer unitairement dans les affaires politiques là. Donc, dans l'occasion ça, il faut que nous avons ouvert le débat vers la politique. En plus, le monde n'est pas d'accord, mais plusieurs monde ont appuyé la suggestion ça qui fait. C'est ainsi que l'EAP formé tout atelier, donc atelier sur évangélisation, atelier sur célébration, atelier sur éducation. Donc, ils mettaient un atelier sous politique. Mm-hmm. Et atelier ça a été dirigé par Maître Osner Février et il y a plusieurs monde encore qui étaient dans atelier ça. À notre grand étonnement, atelier ça a eu plus de monde que l'autre atelier que nous étions venus exactement pour nous faire. Mm-hmm. Donc, et après l'atelier, c'était la reddition des comptes. Et l'atelier politique, il fait qu'on est que nos besoins, secteur protestant, leadership protestant, besoin encadrer et appuyer des frères protestants qui gagnent une compétence, qui gagnent une formation adéquate, qui gagnent un rayonnement, qui gagnent un background qui t'a voulu à le faire de la politique. Mm-hmm. Ainsi donc, atelier ça a transformé en commission. Et cette commission a été confiée également à M. Février, qui a un frère Éric Descopins, qui a un pasteur Jacques
Janvier, du Nord et plusieurs autres encore. Ils travaillent et après quelques 3 mois, ils soumettent un rapport à la Fédération protestante et au monde qui était participé dans l'atelier. Mm-hmm. Donc, ils sont d'accord et ils supportent un candidat chrétien. Un candidat chrétien. Maintenant, comment faire? Même atelier a été recommandé ou bien commission pour nous avoir une plateforme unitaire. Donc, fusionner tout la dit chrétien qui nous a fait, qui a un parti politique d'inspiration chrétienne, mm-hmm. et pour nous capables de dégager une plateforme qui t'a conduit pour nous avoir choisi ce candidat unitaire. Maintenant, est-ce que on peut expliquer nous là que première démarche là, n'est pas respecté ça qui t'est dit, Torbeck là. Est-ce que c'est ça qui fait qu'une des rivées à deuxième grand compte ça qui vient déboucher sous endossement? Non, c'est parce que, oui, nous aboutis, nous formons la plateforme Canaan, donc qui a dit rassembler 11 partis politiques d'inspiration chrétienne et 2 plateformes et partis politiques d'inspiration chrétienne, tant qu'au Conacède, tant qu'au Accra, donc qui viennent faire au moins son total de 16 partis politiques qui en dedans démarchent ça. Mm-hmm. Et puis nous continuons pour nous chercher un candidat unique, nous proposer élection. Donc, il y a plus de monde qui connaît, il n'y a pas bon si on a parlé d'élection, il y a filé, il y a allé. Et bien, finalement, nous faisons élection avec 11 partis politiques sur 16. Et de ces élections qui étaient faites le 15 mai 2015, moi, j'étais choisi parmi les 3 candidats qui étaient gagnés et parce que j'ai remporté le vote là. Donc, depuis là, moi, je suis président. Candidat à la présidence pour la plateforme Canaran qui représente ça. C'est moi, pendant que ma première public là, qui fait le déplacement dans tout département et qui vient choisir, qui fait un appel pour me dire que c'est vrai, nous remporter une victoire, puisque le secteur protestant n'a pas de jambes rivées jusque-là, mais il y a l'autre monde qui sauvé, qui y allait, je crois que c'est responsabilité non, pour nous aller chercher encore. Mm-hmm. Donc, et moi, je fais un appel à la communauté protestante pour me dire nous avons besoin des hommes et des femmes de la communauté qui ont un rayonnement, qui ont une crédibilité, qui vous êtes capable de constituer une commission de médiation pour aller chercher tout candidat ça et dégager encore, remettre candidature sur la table juste pour me dire capable de montrer ouverture d'esprit que je gagne. Donc, et c'est ça que vient bailler commission de médiation de haut niveau. Mm-hmm. Donc maintenant, commission de médiation de haut niveau, a eu chaque candidat a dit pour compte pas eu. Et nous yon pas connaît qui candidat eu. Finalement, yo viennent provoquer une rencontre le 18 août dernier. Eh bien, yo mettait tout candidat ensemble, c'est les ça nous qui monde qui est qui et qui travaille qui t'est grand fait. Mm-hmm. Nous statuer dans jour ça sur eh bien, méthodologie pour nous arriver encore choisir un candidat unitaire parmi nous, les 9 qui étaient là. Donc, dans 9 là, tu as une qui n'est pas venue et tu as une qui t'est voyée en représentant. Donc, et ça fait nous réduire à 7 ou bien 8 dans ce sens-là. Donc, là pour nous aller, nous avons nous rendez-vous, nous faisons une statue sur méthodologie, la méthodologie. Nous entendons nous. Il a dit son protocole d'accord que nous pourrons former une seule équipe. Et l'équipe, ça a un capitaine. Et chaque monde dans l'équipe, là, pour avoir un rôle libre à jouer suivant compétences, suivant background. Mm-hmm. Donc, de telle sorte que non seulement pour nous aller à l'élection ensemble, mais pour nous gouverner tout ensemble. Donc, de manière pour que nous été unis et soudés dans ce sens. OK. Et je vous dis, il est clair que c'est un candidat qui est endossé par le secteur A. Et par rapport à ça, ou a péjoui, d'un dit privilège qui gagne pour que ou gagne une équipe d'ailleurs. Pasteur Chavanne Jeune, ou fait 2 expériences déjà, 2006, côté ou pas sorti, d'un dit très loin dans la course là, ou t'es très très bien placé. 2010, résultat ou pas de même genre, jodia nous en 2015. Qui ça qu'il faut penser, Gomba, qui est différent par rapport à 2 expériences ou fait déjà? Premièrement, c'est parce que nous prenons la et à statuer nous sur ce qui est passé, tirer les leçons nécessaires, améliorer l'approche là. Et deuxièmement, c'est la démarche
qui est faite dans le secteur pour nous capables de réduire le nombre de candidats et exactement pour joindre un endossement de secteur parce que l'MT est allé en 2006 et 2010. Donc, pas de bagaille comme ça. C'est eux-mêmes qui pour débrouiller, c'est-à-dire pour gober le maximum possible de monde dans le secteur pour aider, plus l'autre électorat que vous travaillez là-dedans. Mais je vous dis, donc, il y a un déclenchement côté l'Église, les pasteurs, ils viennent de l'autre approche du pouvoir. Longtemps, ils ont entré dans la politique, tant qu'on l'a dit là en 2006, il y a un pasteur qui dit, moi, c'est un, comme on t'a dit, et il y a un monde qui ne connaît pas, ça me veut. Parce que je suis pasteur, je suis président de mission, je suis tout bagaille, mais je suis lagué dans la politique. Ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Okay. Donc, plus ou moins, conscience qui prend. Donc, conscience qui prend de l'Église protestante pour reconnaître erreur et tort que vous faites dans le passé à cause de grand pile potentiel et vous ne pas mettre directement au service du pays. Maintenant, gagner et perception ça, que gagner une hypocrisie dans le secteur, hypocrisie qui a été manifestée récemment, le noué gagner un premier travail qui fait un candidat qui désigné, nous le candidat unique du secteur, après ça, un deuxième travail qui fait. Il y a des chefs de mission contestés pour mes travail là, au point que nous rencontrons qui t'a fait deuxième fois, il y a un groupe qui part là. Donc, il y a une friction quelque part. Maintenant, est-ce que vous pensez ou capable ou même mette, remettre le secteur ça ensemble pour camper derrière pour qu'il y ait un résultat que vous avez supposé jouer? Qui t'a fait deux remarques avant de répondre directement à la question. Première remarque là, la commission de médiation n'a pas sorti à un candidat unique. Il t'a fait un lot accord pour dire. N'a pas cherché un candidat dans le dossier, mais tous les autres candidats mettent aller dans l'élection. Donc ça veut dire, c'était une autre erreur, on l'est accro à principe Torbeck là. Deuxième remarque là, c'est que, eh bien, et dans le même sens ça, c'est que gagner un travail qui était mal fait. Donc, si vous comprenez le fonctionnement de la communauté protestante là, vous comprenez ça bien. Et on l'église, comment le diriger, c'est pas une assemblée de membres. Il y a un pasteur à la tête, bien sûr, mais pasteur pas obtenu l'ordre seulement de Dieu, mais l'obtenu de majorité membres de l'église à l'assemblée. C'est ainsi que pasteur a diacre l'église, ou bien comité l'église, il doit faire une décision, mais il faut aller avec l'assemblée des membres pour les membres sanctionner, approuver ou rejeter. Donc c'est comme ça. L'Assemblée de Torbeck ou l'Assemblée des chefs de mission et des responsables d'organisations protestantes, soit l'école, soit organisation ONG. Donc, ils étaient là pour venir approuver ou bien pour te bailler vote là dans l'élection. Ça. Très bien. Mais il se trouve que les candidats ont opté pour que c'est eux-mêmes qui votent entre eux et également pour être assistés de membres. Conseil de médiation, ce qui est un accro vraiment, et il faut me rendre hommage à la vérité. Le conseil de médiation a été refusé catégoriquement. Il a dit que ce n'est pas un rôle, il n'y a pas qu'à voter parce qu'il n'y a pas un mandat ça et il voulait rester au-dessus de la mêlée. On n'a pas la capacité vraiment pour réunifier le secteur, ou penser ou qu'à traîner tout le monde d'ailleurs. Habitué fait ça. Je n'ai pas dit tout, c'était en prétention fallacieuse, mais en fait, moi, dans le secteur depuis longtemps, je n'ai pas agi. Moi, j'ai en pile connexion. Moi, presque, j'ai accès à chair l'Église, toute communauté protestante. Et généralement, quelconque. Et c'est depuis 40 ans que j'ai fait travail ça. Et plus, et la production dans le secteur, et toute réalisation que je fais, eh bien, il n'est pas inconnu pour tout le monde. C'est ça. Donc, ça veut dire que je suis approche. Et si je ne connais pas que je suis capable, je vais ouvrir la candidature encore, mettre le sous table, je vais tout aller avec le premier sacré fait là, mais pour montrer que je suis vraiment pour l'unité et également tout que je n'ai pas peur d'aller de n'importe quelle décision qui t'apprend, eh bien, nous faisons ça. Donc, c'est même là, par exemple, nous sommes en campagne dans le Nord-Ouest. C'était extraordinaire l'accueil que je recevais. Plus une organisation de plus de 500 pasteurs dans le Nord-Ouest, ils ont acclamé pour le fait eh bien, que
moi joint endossement et ticket secteur protestant. Donc ça veut dire même d'accord pour bailler ça. Jusqu'à présent qu'un bon signe qu'a venir nous pour arriver sur agenda ou peut-être après et pause là. Mais avant de nous observer pour une pause là, gagner secteur vaudouisant et qui généralement estimé que diabolisé par les chrétiens protestants surtout. Et ou pensez qu'on faculté ou qu'a développé pour joindre Mounzaïo par rapport à ça qui est habitué fait, un message qui est habitué véhiculé à l'endroit de Mounzaïo. Comment pensez-vous qu'on convaincre l'électorat ça? Juste avant, qu'il me prend le temps pour voyez mes sympathies à secteur vaudouisant qui s'est perdu. Il a dit, il y a un gros garçon, c'est M. Max Beauvoir qui mourit par suite de certains malaises qu'il a joint. Donc, nous découvrons bien bas, devant Potoric Garçon ça qui était révélé comme une pièce maîtresse dans la lutte d'Adip pour Haïti, tu es capable dans l'autre monde. Depuis 2006, parce que premièrement, moi, j'ai une maîtrise en sociologie et connecté avec théologie. Hein. Donc, moi, apprendre à comprendre ça, c'est-à-dire la mouvance des religions. Bagayen yon cloisonnement seulement mon gen conviction me respecter conviction l'autre monde et si me joine un à un pour me faire discussion avec yo me toujours fait donc depuis 2006 yo t'ai organisé un congrès à Saint-Marc yo t'ai invité et moi t'ai allé distribuer près de 500 bibles et yo t'ai content avec participation de démarche moi et me t'ai statué d'adi plus adresse moi sur le problème de déboisement en Haïti. Dit le fait que vaudou comprendre que tout pied bois bon l'esprit là-dedans, ça veut dire au respecter pied bois. Si tu as vle un problème de reboisement en Haïti, un monde qui t'a vraiment un courant religieux t'a vraiment important, et ben pour t'a entrer là-dedans, me dit c'est les vaudou, il faut rendre hommage d'adi à eux-mêmes. Pour vénération au fait dans le bois, mais nous avons transformé en réalité pour nous capables. Ça, c'est vraiment. D'ailleurs, il fait sentir que eh ben, c'est un monde qui est ouvert qui parle et pas un monde qui est sectariste et qui est renfermé, etc. Très donc, bien. Bon, sur ce point-là, vous pensez que vous êtes capable de réussir à le et joindre. Pasteur Jeune, nous, pour faire campagne là, le tourner, nous pour attaquer l'agenda ou une vision au président pays ça pour la troisième fois. Évidemment, ou gen bagay ou vle offri, c'est pral après pause là. À la rubrique Le Point de ce matin, nous recevons le candidat à la présidence de Canaan, candidat endossé par le secteur protestant, Jean Chapanjeune. Restez avec nous. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Gen plus variété produit dans tout pays. Nous gen exactement ce que gen besoin. Plus toujours dans MSC Plus. Nous marier variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vous faites choix pour là. Je dis à même dans MSC Plus. Sous route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Le Point, ce matin, nous recevons le candidat à la présidence endossé par le secteur protestant, Jean Chapanjeune. Avant pour cela, nous avons plus ou moins fait le point sous ça qui menait à endossement et candidat. Nous avons ouvert tout. Un petit peu avec lui, qui ça qui fait différence en 2006-2010 à aujourd'hui. Donc on est ça fait troisième expérience, Jean Chapanjeune. Il y a une réalité en 2015 qui changeait par rapport à 2006, conditions géopolitiques ou pas même, problème pays a augmenté, Jean Chapanjeune. Ça que t'es motivé en 2006 pour tes candidats, capacité estimée ou t'es gain en 2006 pour te diriger pays ça. Est-ce que vous pensez, je vous l'ai choisi en 2015 par rapport à une nouvelle réalité yo, ou toujours qualifié pour ça? Au contraire, il y a plus une nécessité qu'on y a par rapport à décalage donc, qui gagne dans le pays. Et en pile d'échéance,
déchéance. Et d'abord morale, déchéance économique, déchéance physique, déchéance intellectuelle et des grands dossiers que le pays a traversé journée aujourd'hui. Mmh. Et qui Jean Chavan Jeune vin président pour résoudre problème ça yo, ben du moins améliorer conditions la vie peuple haïtien. Sou qui sa programme Chavan Jeune dans Chita? Bon, programme Chita sur 5 piliers mreléo. Yon poteau mitan et 4 poteaux coin, dépendamment de région, analyser conjoncture pays. Premier pilier, qui c'est pilier, c'est-à-dire poteau mitan, c'est la justice. Donc, la Bible dit nous, la justice élève une nation, mais la corruption, le péché, c'est honte yon peuple. Alors, si vous retracez tout problème Haïti, quand vous prenez l'angle santé ou dans l'éducation, ou dans l'agriculture, ou dans le logement et autres, ou à joindre que facteur justice là, eh bien, il a dans. C'est parce que la justice n'est pas bien distribuée et il y a trafiqué justice là qui fait grand pile tout le monde qui parle à l'école, il y a un donc, et même bagaille dans l'affaire santé, etc. Mm-hmm. Donc, il faut que nous retracer, c'est-à-dire replacer justice là dans le temps, c'est-à-dire centre débat pays là, pour nous capables de réformer, pour nous capables de rebalancer de manière pour que chaque monde qui a joint sa part du gâteau du pays. Problème justice là, qui s'allie aujourd'hui, le système non là a fonctionné, mais qui accro ou identifié à système non. Premièrement, qui sont à corriger dans le système. Ça va corriger dans le système là, c'est que c'est pas tout le monde qui a droit joindre justice dans le pays ça. Justice là, les pour grand nègre toujours. Au monde qui est capable, c'est le plus offrant, le plus capable, eh bien, ils ont décidé d'aller bail justice. Mm-hmm. Je dis à ce pas un avocat de renom et un avocat qui connaît ça l'a fait, eh bien, en pile, tu malheureux, tu as perdu terre déjà, mais ce n'est pas la justice qui encourage ça, c'est avocat avec brioli, avec argument qui rachait. Qui m'a justice ça, bah paysan ça, ou bien bah un tel, ou bien bah un tel, tandis que y a des gens qui n'ont pas même besoin de venir présenter dans le tribunal, ils voient justice. Donc là, c'est les gens qui sont dans le système. C'est les gens qui sont dans le système. Maintenant, pas seulement les gens qui sont dans le système, non, mais les système dans mon terre, ils pas respecté la norme justice là. Mm-hmm. Donc ça veut dire que y a un pile faille, nous avons bataille, on y a, nous venons gagner. Une structure qui a plus ou moins qu'à bailler justice la indépendance. Cependant, on n'est pas encore là. Donc, il y a un pile infiltration exécutif ou bien législatif en dans justice là, alors que c'est d'ailleurs des pouvoirs indépendants, mm-hmm. mais qui doivent travailler dans une certaine harmonisation, articulation pour empêcher que l'État les fende en trois ou en miettes morceaux. Mm-hmm. Donc, ou pas rejoindre ça. C'est-à-dire que des hommes qui prennent responsabilité à main, mais toujours il y a des juges, il y a des magistrats, il y a des commissaires, c'est-à-dire qu'ils prennent dictée dans main un certain pouvoir pour le capable de faire plaisir au lieu que l'y attacher à norme justice là et sa justice là demandé pour le capable de fonctionner bien. Donc justice là, c'est pour tout mi-temps, on a le pour quatre coins. Quatre coins, premier coin, c'est la famille. Nous-mêmes, dans le milieu protestant, nous dit une famille forte égale une église forte. Une église forte égale une société ou une nation forte. Si famille disloquée, eh bien, on connaît que le pays a disloqué. Si vous avez besoin d'une image ou d'une idée de comment une société a fonctionné, ou seulement garder famille, Jean famille a fonctionné, c'est à l'image. C'est l'image du pays que le projeté. Ainsi donc, tout phénomène que nous avons enregistré, phénomène zinglindou, phénomène kidnapping, phénomène bagaille, ou qu'a retracé l'histoire dans l'éducation que tout le monde a joint, parce que tout zinglindou, tout kidnapper, ils sorti dans la vente, ils maman avec rien, ils ont monsieur. Mm-hmm. Donc, ça veut dire, nous contribuer pour nous pondre sur le marché, c'est-à-dire, ça peut constituer un phénomène social et me penser que seule façon pour résoudre bien, c'est
d'adi en dans famille là d'abord. Et comment on va renforcer famille là? Comment on va renforcer famille là? Premièrement, il y a un ministère qui l'a depuis quelque temps, et le ministère à la condition féminine, estimé que le tab beaucoup plus important pour nous relayer le ministère à la condition familiale. Ainsi, tout le monde ensemble, on a gagné une direction de la petite enfance, une direction de l'adolescence, une direction de la jeunesse, une direction des hommes, une direction des femmes, une direction des personnes surâgées. Ça nous relaie le troisième âge là. Mm-hmm. Ainsi, au consolider, ce ministère deviendra un ministère transversal. C'est-à-dire pour qu'on ait comment tout le monde qui fait yo, comment on mange, comment est-ce qu'il y a à l'école, etc. Et pour le faire, rôle de liaison. Li. Moi, admettre que dans la famille, madame n'a joué un gros rôle. C'est lui-même qui est beaucoup plus attaché à la famille. Je vais confier le ministère ça à un homme comme ça. Je vais bailler à une femme, puisque lui-même est bien plus attaché à la famille. Mm-hmm. C'est ainsi que nous avons seulement renforcé le ministère à la condition féminine et balle plusieurs rôles que le bras joué pour le capable de faire liaison. Famille, à agriculture, à éducation, à justice, à toute l'autre bagarre, affaires sociales, de manière pour société à capable de retrouver. Et toute politique, nous, pour refléter la famille. Politique économique, nous, politique fiscale, nous, politique éducation, politique administration, tout. Pour tourner autour de la famille. Deuxième poteau. Deuxième poteau, c'est l'agriculture. Nous sommes tous convenus aujourd'hui, dans la situation que nous avons, c'est parce que nous avons une déchéance sur l'agriculture en Haïti qui est représentée, comme je l'ai toujours dit, c'est une valeur essentielle de la société et sur lui, nous capables de baser, puisque dans le pays Bénou et également tout, dans le rôle que l'agriculture doit jouer pour bailler manger, pour faire production agricole et pour capable permettre de nous créer richesse, eh bien, tout ça en débandade. Donc, nous pourrons aller pour la production agricole, nous pourrons aller pour la pêche, nous pourrons aller pour le reboisement, si vous voulez, la reforestation, nous pourrons aller pour correction des bassins versants qui posent problème à rivière, noyau, etc. Donc, et également tout, nous pourrons aller pour une agriculture qui a créé richesse et croissance dans le pays. Est-ce que je dis à Jean Chavannes-Jeune, gagne l'idée, gagne des chiffres de comment la question agricole est en Haïti? Par exemple, je vous dis à Plaine Latibonite, combien de tonnes d'agriculture cabaye? Et qui zone dans le pays, je vous dis à côté de la pêche, là, les plus quimbées, les plus rentables? Est-ce que les données ça existent? Les données ça existent, mais c'est des données qui ne sont pas fiables. C'est-à-dire qui ne sont pas faites en études. Il y a des systématiques ou détaillées, mais c'est quelques chiffres que de temps en temps le ministère de l'Agriculture baille, mais qu'il n'est pas capable d'indiquer, en quelle façon qu'il a fait baille. Ça, c'est peut-être ça, une des choses que nous avons pour nous faire, c'est l'identification des problèmes et puis remettre les données. Ça peut créer du travail, tout surtout pour les jeunes, qui l'école, dans les vacances, eh bien, même pied mango, nous pourrons le faire au compte. Combien de pieds mango que vous pouvez joindre à Thibonite ou bien dans le sud ou bien l'autre côté systématiquement pour vous donner? Parce qu'on n'a pas diriger sans donner information. Lorsque vous commencez le travail, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, pas qu'ils soient commencer, et qui action vous allez mener pour renforcer les, par rapport à constat que vous faites? Premièrement, c'est inventaire de salon gagné dans l'agriculture. Vous demandez une question tout à l'heure, qui côté, par exemple, la pêche, à bailler ti bagaille toujours. C'est dans zone Belance, côté qui gagne des associations de pêcheurs, dans le bloc la côte sud, qui gagne des associations de pêcheurs, et quelque part, c'est-à-dire quelque côté qui n'est pas trop bien organisé. Mais même lorsque il y a une association, ça, le problème, c'est que vous n'avez pas les moyens pour être capable d'améliorer le système. Vous avez toujours à pêcher avec ti bateau, pas qu'à aller en haute mer. Donc, ça fait que vous venez avec petit poisson, tandis que nous avons des étrangers, particulièrement le Japon, qui envahit l'emmène qui a pêché au mar, qui a pêché les poissons précieux et qui peut aller avec eux sans contrôle. Dans ce sens, ça, son pète extraordinaire, n'a plein pas gain l'argent,
et pourtant n'a quitté l'argent jeté parce que structure nous pas permettre pour nous capable encadrer et pêcheurs et même bagaille pour paysans tout l'organe par exemple nos agriculture qui a fonctionné avec près de 2600 gardiens agronomes et que ou pas même gain 600 agronomes sur le terrain tout la dit dans Damien ou bien dans gros bagaille tant que FAO dans ONG donc paysan livré à lui-même il était pour compte lui pour compte troisième poteau c'est éducation donc nous pas besoin faire gros râler sur éducation il y a un pile bagaille dit qui pour améliorer dans éducation c'est hier matin d'a coûté ramasser donc côté ministre était là l'a déposé ou est-ce un homme qui a une volonté pour le faire mais pauvre diable conditions ou pas réunies. Mais tout ça fait vous quitter dans Ramassea, il pose une série de problématiques que même le ministre a dit d'accord avec lui, mais il demandait, il sollicitait la participation de tout le monde pour aider à traverser un passage. Mais il fait l'objet d'un pile critique tout. Donc il a fonctionné, il a dit sous roche du feu. Donc il est donc le bon temps pour que, encore une fois, nous fassions un débat général. Justement, sur l'éducation qui sont prêts à le faire dans l'éducation. Ça nous prend le faire, premièrement, c'est régulariser l'école. Là, système qui fonctionne en deux vitesses, trois vitesses, eh bien, rendre l'école unique qu'on gagne dans le pays. Et au besoin, pour gagner l'école unique, il faut avoir un curriculum unique qui est imposable à tout le monde qui veut faire l'école, soit privé ou l'État, et également tout. Pour tout le monde ait même chance dans le système là pour capable aller et même ouvrage etc c'est jodi a mon a pon ouvrage les grands ni joindre l'autre livre li copier li vendre ni ba élève dans classe et pour par contre pied à tête livre là donc pas gagner en régulation vraiment vrai d'a dit qui est effective au niveau de l'éducation sans faire le programme Sugoa sur ta vienne président OM Sugoa quoi c'est un bon programme seulement le mériter pour repenser le et améliorer parce que pas gain contrôle de qui moun qui gagne programme dans la mer c'est pour la plupart c'est des sénateurs et des députés qui pas même gain l'école yo gain 250 ti moun que gouvernement ba yo donc yo gain $90 par tête pour 250 ti moun ça yo joine une petite école qui t'a fonctionné yo bal 50 ti moun et ben et puis aucun bel argent en poche donc et il y a un pilote l'école tout, il a dit qu'il baille, par exemple, nous t'étendons à Carrefour, dans l'école qui recevra pour 245 timounes, les alphabets vérification, c'est 42 timounes, pratiquement, qui est dans le problème. Ça. Donc, ou pas capable de fonctionner avec le programme Sugoa sans pas gagner, il y a une inspection qui est bien organisée pour permettre que le travail aille bien et que ces timounes, il y a vrai qui bénéficient du programme. Quatrième poteau, pasteur Jean. Quatrième poteau, c'est. Alors, ça nous relève investissement et infrastructure et puis emploi et création de richesses et de croissance. Très bien. Maintenant, vous gagnez 5 poteaux dans le programme. Famille, éducation, investissement et agriculture. Tout ça, il y a possible uniquement si gouvernement ou parole, sauf un président, joue l'argent pour faire. Nous gagnons un budget ici en Haïti qui généralement pas dépassé 130 milliards goules. Qui ça, chavane jeune, vin président, pour le faire, pour jouer quoi pour le faire, tout ça le prévoit pour le faire là. Premièrement, rien qu'à bloquer la corruption dans le pays ça, ou déjà une valeur ajoutée. À budget. En plus, on essaye parce que jeune. Oui, ils ont essayé, mais ils ont essayé mal ou bien ils ont vu entrer là dans le tout. Ils ont vu absorber par système. En Haïti, souvent, et c'est monde qui finance là, qui mène combat politique là pour vous. Soit elle prend l'argent. Comment on peut éviter ça? Parce que je me toujours refusé. Et c'est peut-être ça. Donc, moi, c'est un mal aimé, etc. Parce que il y a des gens qui viennent déposer comme sous table, moi. Pour me faire élection, mais là, il dit que je suis le ministère du commerce, je suis la douane, je suis la PN. Et puis, justement, je dis bon, je ne vais pas engager ma ça. Donc, je vais démanteler la structure de l'État pour me faire mon nid
pour me faire campagne, pour me river côté mieux. Donc c'est depuis en amont pour capable corriger mal là pour qu'on ait des monde qui prend l'argent sale. Moi-même, pas qu'à faire bagaille comme ça. Donc, pasteur jeune moralité. Président, il n'y a pas doué personne. M'doué pays. Très bien. Que vous avez voté pour moi, qu'on vous avez dit doué dans le sens, pas de gain, on t'y mal, tu as mis deux voix, et puis vous avez gain pour remettre après ça. Non, très bien. Ou tu as dit que si vous attaquez corruption, vous avez besoin de plus de moyens pour mener une politique agenda. Ça, c'est une. Mais, Dadi, l'argent l'État cap gaspillé dans mauvaises conditions, des dépenses fallacieuses. Donc, il faut que gagne un rationnement. Là, on pas gagne en pile, faut utiliser son gain à bon escient et pour le bon, plus bon résultat. Au lieu qu'on fait gaspillage, monter, descendre, faire des choses qui ne peuvent rapporter grand-chose à la nation, on pourra le faire des choix politiques. Donc, qui pour permettre que voilà, ça soit en deuxième. Le problème qui vient avec l'aspect ça, parce que jeune, je me souviens même en 2010, je suis ici, d'attendre, oui, le monde qui dit, même petit parole de ça, cortège, si, bah, et puis le machine, oui, puis le machine. Diminuer, etc. Mais bon, ça qui fait la différence là, entre parole, parole, parole. Ça qui fait la différence, là, c'est le mode de vie, moi, d'abord, et deuxièmement, expérience de gestion. C'est moi qui a géré des fonds pour développement communautaire, donc à hauteur de 5 millions de dollars. Donc pour une année, ou pour deux ans, pour faire bassin versant. Mais là, on vient faire audit. Il n'y a pas qu'à joindre des bagailles que vous reprochez parce que je suis obligé de tenir compte de personnalité, de moralité et également de conviction. Lorsqu'on a l'argent destiné à un bagaille, il doit faire route ça et non pas route cochée. C'est peut-être ça qu'en pile, monde qui a un problème avec moi, parce que on dit, moi rigide. Même famille, moi, dit, ah, pas m'a mettre dans l'administration, pas bas au job. Je dis, non, c'est pas comme ça pour jouer un job. Il faut qualifier et également tout, il faut appliquer. C'est ou bon ou bon. Mais c'est pas par rapport à Zamitaï, etc., qu'on t'a dit là. On t'a dit, nous, qui bon, ou pas le jeune l'argent, ou t'es parlé de. Bataille contre corruption et dépenses et fallacieuses. Quel autre point encore? L'autre point, c'est la richesse que nous gagnons dans le pays, ça, comment exploiter à bon escient. Donc, aux ressources minières, donc toute qualité, l'or, etc. Mais pour qui ça? Nous n'avons qu'à négocier l'exploitation. Et avec transparence et avec bénédiction parlement. Pour ces petits bagailles qu'on fait à côté, les rivières dans le Parlement, le Parlement a demandé ça à la joindre, etc. Donc, tout bagaille doit être fait, on a dit, en temps, on a dit, il y a un bagaille qui droit, qui juste et qui respecte eh bien, les règles du jeu et également la loi et la constitution d'Haïti. Qui parle politique fiscale, Chaban Jean? Politique fiscale, moi, premièrement, c'est essayer de bailler, sanitaire, yon bénéfice fiscal à moun qui vle vin investi yo, ba yo des incitatives pour yon capable choisir Haïti. Et cela se fait dans plusieurs pays et tout pays comprend ça. Donc on encourage moun vin investi de tout ce que ou ba yo, ça aurait le, d'ailleurs, yon paradis fiscal pour yon capable investi. Deuxième politique fiscale là, c'est Feli. Il a dit par escalier, suivant, il a dit rentrée, suivant revenu, eh bien, on permet que Mounsa gagne un niveau que le capé pour le pabay. Troisième politique fiscale là, c'est essayer de plus en plus, le plus que possible, ça nous relève l'évasion fiscale là. Et comment l'évasion fiscale là fait, c'est nèg qui gagne gros bagay à importer, eh bien, ils entendent. Avec moun ki nan droit nan, etc., pour yon paye yon ti kob et balance ke yon rete ke yon pa paye ya, yon ba moun nan un tiers qui pa jam vini nan kes l'État, mais qui fait route cochu, etc. Jou ko régulariser ça pour permettre yon transparence nan douane, donc et nan aéroport, nan tout l'autre côté qui a généré l'agence sa yo, gen yon immensité, n'a dit de biens. Qu'on est capable de collecter et qui vient ajouter à ça qu'on est rentré. Et naturellement, cinquièmement,
ou pas capable de dire que vous pas recevoir l'argent de l'étranger. Parce que t'as asphyxié, t'es tout. Et ce n'est pas en faveur que l'étranger a fait pour l'aider ou participer dans toute action qui gagne. Haïti, c'est membre ONU, Haïti, c'est membre OEA, Haïti, c'est membre CARICOM, Haïti, c'est membre paquet. Donc, comme ça, vous avez droit d'aller à fond qu'à développer dans son sens. C'est seulement préparer projet, pas quitter le monde, venir poser, mais ça là-bas. C'est pour préparer. Par exemple, si vous n'avez pas un plan de santé publique, eh bien, vous n'avez venu là de tous côtés, la faire duplication, etc. Et puis, pas un résultat. Mm-hmm. Mais si vous avez un plan santé publique, un plan éducation, un plan agronomie, vous n'avez pas rentrer dans le plan. Là. Et vous c'est-à-dire des pays en Afrique qui ont subi des situations ça. Donc, ils ont corrigé et qu'on y a, voilà, qui a grandi. Qui rapport Chaban Jean gagne avec la communauté internationale là? Parce que là, vin président, on a besoin de collaborer avec eux. Je dis, nous pas qu'à vivre, mais nous pas qu'à fonctionner vraiment et en autarcie, il faut qu'on collabore avec eux. Qui rapport Jean aujourd'hui avec eux? Premier rapport là, c'est d'dire qu'on aime, qu'on aime. Je connais les 5 continents. Je travaille là-dedans. Je fais plusieurs interventions, etc., en dans la communauté internationale. J'étudie tout dans la communauté internationale. J'étudie en France, j'étudie en Allemagne, j'étudie en Israël, j'étudie aux États-Unis, j'étudie dans Honduras, tout partout ça. Ça avait une bombe de connexions avec nous. Ensuite, j'ai participé dans des colloques internationaux. Donc, eh bien, qui permettent que je fasse connaissance avec mon yo. Et finalement, mon travail avec financement communauté internationale, qui a parlé de ABDI, Agence canadienne de développement, qui a parlé de USAID, qui a parlé de communauté européenne, qui a parlé de Japon, qui a parlé de Taïwan, qui a parlé de l'autre pays que nous avons rapport ensemble avec nous-mêmes dans le travail. Et jusqu'à présent, je ne vais pas jamais me reprocher de l'erreur que nous avons fait ou de l'argent que nous avons pris pour eux. Au contraire, c'est une lettre de félicitations pour dire que vous êtes bien content pour coopérer avec nous. Très bien. Nous parlons fini, pasteur Jeune, et où ces candidats, évidemment, ou aspirez à venir président, et 25 octobre, vous allez décider pour vous. Si vous avez regardé au matin là, capitaine d'eau sous métropole, qui ça qui t'a fait que obligé voter plutôt que l'autre rapidement? Premièrement, pour Dadi, réalisation dans le pays. Des œuvres de développement, soit dans l'irrigation, dans la santé, dans l'éducation, dans la formation, agent vétérinaire, agent reboisement, tout ça. Donc, et construction de l'école, donc par sous leadership. Moi. 487 écoles primaires, c'est pour une mince affaire. 183 écoles secondaires, c'est pour mes affaires, 27 écoles professionnelles à travers le pays et également une université, et c'est l'Université Lumière. Former des jeunes, former des adultes dans les affaires d'éducation et nous former des leaders au niveau du pays. Donc, dans ce sens-là, c'est avantage ça que Abgain, c'est un homme d'expérience et qui déjà a dit, a fait. Ce n'est pas un monde qui dit le pral fait, mais c'est un monde qui déjà fait, qui a habitué fait et qui a continué l'expérience qu'il gagne. Deuxième barre là, et je crois que le bar des moindres, c'est moralité. Actuellement en Haïti, si vous n'avez pas un dirigeant qui fait preuve de moralité, soit dans la conduite familiale, soit dans la conduite des affaires, soit dans la position sur certains problèmes qu'a ravagé le pays, ou bien certaines menaces même que le pays a pour le confronter, tant qu'au mariage, on a dit, et... mariage pour tous. Pour tous. Donc, si pas un monde qui est capable de camper contre ces fléaux, eh bien, le pays a pour le sombrer, on a dit, dans le carreau, et même dans l'abomination qui est capable d'entraîner encore une chute libre, et on a demandé... Est-ce que nos cas sautent dans ce sens-là? Pour proposition en clair, oui, là, et par rapport au mariage pour tout cela, ou pas perdu? Non, mettre perdu, parce que c'est moi-même conviction, c'est sous la Bible tout. Lévitique chapitre 8, verset 12, etc., elle dit, c'est une abomination
pour un garçon marié à un garçon. Mais tout à l'heure, ou tout son monde qui ouvert, ou embrasser vos douisans, ou pas ouvert juste dans le niveau ça? Non. En ce qui concerne la moralité d'un pays, ou pas la ça. Ça. Donc, merci, mon n'a fait ça, affaire, mais ou pas qu'à codifier pour légaliser le bal. Bambilé, etc. Mettez-le dehors. Yeah. Pasteur Jeune, merci à pile, nous t'écoutons à Guillaume Matéa. Mais vraiment, avant d'aller, Pasteur Jeune, c'est un monde. Ou à venir président, j'en connais en Haïti, constitution en fait le président, nous, on mineur. Et tout ça, vous voulez faire là, yo. Et l'État, son système, mais où c'est un monde dans le système, non. Comment on va le composer là, avec reste équipe, reste, monde qui est entouré, reste parti politique, yo, pour jouer un monde. Pour aider ou faire ça ou dire faire là yo. Bien content d'aborder question. Mais ça, rapidement hein. Rapidement. Ça permet moi dire que m'a monté avec plusieurs outils là même. Le premier outil c'est la constitution comme nous connaît les lois de ce pays etc. Un autre outil c'est la Bible que m'a négligé parce que c'est lui-même qui a dit qu'il est le livre de la loi. Maintenant un troisième outil c'est à dire articulation avec l'autre secteur. Et avec l'autre candidat. Dans 100 premiers jours, non, mon plan, en vision que je relais, vision Haïti Horizon 2052. Ça veut dire 33 ans que mon gouvernement ou bien mon chef de l'État n'a pas réalisé. Donc, nous allons soumettre à l'Assemblée, c'est-à-dire la classe politique, la classe d'affaires, la classe religieuse, toute qualité pour nous travailler sous lui. Et ça pourra le venir, s'il votait, ça pourra le venir, c'est-à-dire un plan, un pacte social pour nous capables de démarrer le pays. Parce que 5 ans, le président n'a pas fait rien trop dans sa affaire. Même Jacques Saint-Domingue, 20 ans, ils font un plan et d'autres pays. Donc, il faut que nous commençions à parler long terme vision. Donc, cap sur 2052. 2052. Voilà, merci Pasteur Jeune. Et je rappelle que vous êtes le candidat endossé par le secteur protestant. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne chance dans la course. Sur la 52 et le 100.1, vous avez suivi la rubrique Le Point, la première édition pour cette semaine. L'invité, c'était le pasteur Jean Chavannes Jeune. C'était dans le cadre de la série de rencontres initiées avec les candidats à la présidence pour vous aider dans votre choix. Excellente journée, excellente semaine avec Métropole. Mon nom, c'est Luc Nergaro. À bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le Point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.